three, four, leave. On organise ces soirées Fabrica depuis quelques années maintenant grâce à ce partenariat avec l'espace multimédia Gantner où on propose donc des programmes très variés. On développe un travail en réseau au niveau européen, aussi au niveau international. Donc là on a une partie qui est plus spécifique à la région dans laquelle on vit, mais on a bien sûr une activité qui est étendue un plus large niveau. On s'intéresse à la poésie, à l'édition, à l'écriture, au langage, au son, à la performance, au corps, à la danse. Quand ils sortent, on appelle naissance, on organise la personne, on documente son nom, ses yeux, sa dresse, sa sexe, sa identité. Le père dit mon fils, ma fille, c'est un fils dans l'histoire, un garçon. Son père lui dit mon fils. Il lui dit « Mon fils, Diego, mon fils ». Il embrasse la tête, le dessus de la tête. Ce soir, je vais faire une lecture performée en quelque sorte, c'est-à-dire une lecture assez impliquée, très rythmée. C'est plutôt de la poésie sonore. Et le thème de cette lecture, le thème initial, c'est Maradona. Et un but de Maradona, qu'il a marqué en 86 et qui s'apparente à une forme de miracle, un but miraculeux. Donc c'est une lecture sur le miracle. Nous avons la possibilité chaque année de présenter un certain nombre d'artistes en interaction. L'idée d'interaction entre les artistes dans ce moment, dans ce moment où les choses sont ramassées, est importante puisque les choses rentrent en résonance, rentrent en dialogue, parfois en opposition. Nous travaillons pour tous les publics, et ça c'est important pour Fabrica de préciser cette recherche d'ouverture en direction des publics les plus ouverts. La performance, c'est l'art en action. C'est l'art qui va quitter les murs, qui va quitter l'accrochage, qui va quitter la monstration un peu figée des choses, pour entrer dans l'instant. Donc ce soir, je présente une performance qui s'appelle Ego Echo. Et comme bien souvent dans mon travail, je métisse différentes thématiques et différentes natures de langage. Un conte autobiographique, une autofiction. En même temps, je vais apporter un petit peu d'éléments sur des techniques médicinales traditionnelles, holistiques, qu'on appelle aussi chamaniques. Et puis, il y aura du corps, un petit peu de corps et du son, un travail sur le son. L'idée, c'est d'être surpris dans un millefeuille de choses, avec des petites choses modestes. Pour moi, la performance, c'est un art du rituel qui peut être thérapeutique, et thérapeutique pour les autres, pour soi. Donc, ce soir, je vais en fait présenter un travail qui s'appelle « Musique algorithmique », voilà, que j'ai sorti en livre, qui existe aussi sous forme de photos, et en fait, là, et aussi sous forme d'une installation sonore. Mais ce soir, en fait, je fais une présentation un peu sous forme de semi-conférence, performance. Enfin, c'est quelque chose qui est un peu entre tous les domaines, voilà, et qui est en fait, qui parle de tous les disques que j'ai enregistrés et la façon dont ils sont décrits par des algorithmes. Oui, puisque ça date de 96. Alors donc là, l'ordinateur me dit que, en fait, le genre, c'est other. Donc voilà. Il me reconnaît en dehors, mais petit à petit, je glisse en dehors des radars. Donc c'est un peu une étude de une transgender study, mais sur le son, sur ma musique. Ça a l'air descriptif, ça ne l'est pas vraiment. On n'entend pas ce dont je parle, et puis on va voir assez mal ce que je vais montrer. Donc ça fait appel à l'imagination de celui qui est là, voilà. Et puis sa curiosité, parce qu'en fait c'est un petit peu ça, c'est-à-dire c'est éveiller un peu la curiosité pour des travaux qui sont pas montrés.
We are from Bern, and I just gave a workshop here in Besançon at the School of Art, and we made a performance art workshop. Some results we show together with the students tonight, and we are performing both together one piece, which is called A-E-I-O-U. Performance is an art form which normally comes from fine arts, but I think one aspect of performance art is very important. This is listening and the ear, the attentiveness through the ear, not through the eye. So we made a lot of sound art works. Nous préférons souvent au terme performance celui d'art-action, plus large, plus vaste, plus ouvert encore, et qui permet de sortir des catégories, des catégorisations une fois de plus, qui empêcheraient la circulation d'une belle énergie, de gens qui cherchent, d'inventeurs, de créateurs.